C'est pas le 14 juillet, Malédie. Tu crois que cet akumatisé veut célébrer la Révolution française en avance? Je trouve surtout étrange que Monarque soutienne une révolutionnaire. Lady Bell, chat noir! Aidez les populaces à libérer Paris de son maire aristocrate! La terreur n'est pas la solution! Pour faire entendre sa voix, il y a les élections! Ou la révolution quand tout le monde est corrompu! Rien ne peut arrêter la liberté! On aime tous le grand bal et le feu d'artifice du 14 juillet! Mais là, vous êtes un peu trop culottée, mademoiselle! Attention, tu risques de prendre une déculottée! Je trouve que son sens de la justice est plutôt tranché! Essayons autre chose! Le ketchup! Couronne ? Révolution, sans culotte, et le maire de Paris qui se prend pour le roi ? Peut-être qu'il faudrait le destituer après tout. Tu vas quand même pas donner raison à cette vilaine ! J'en sais rien, j'ai l'impression que c'est la signification du Lucky Charm. Mais tu as raison, c'est pas à nous de décider qui est le maire et qui ne l'est pas. Et un akumatisé doit être désakumatisé, un point c'est tout. Occupez-vous d'eux, je dois accomplir ma mission. Voilà ce qui arrive quand on hésite. Contre l'adversité, ce qu'il faut, c'est de l'audace. Encore de l'audace, toujours de l'audace. Attendez, s'il vous plaît. Mon beau-père, le maire bourgeois, a fait des erreurs, c'est vrai. Mais au fond de lui, ce n'est pas un homme méchant. J'ai essayé d'écouter les gens, d'éduquer mes élèves, de convaincre avec des mots. Mais il faut se rendre à l'évidence. Il n'y a qu'une seule chose qui marche, la révolution. Accordez-vous une dernière chance. Vous êtes professeur, alors essayez d'utiliser une dernière fois votre meilleure arme. Les mots. Ça ne marche pas avec tout le monde, mais si ce que dit cette fille est vrai, peut-être que ça marchera avec le maire. Et j'ai abusé de mon pouvoir. Vous êtes sur le répondeur de Gabriel Agreste. Laissez un message. Je nous croyais amis, Gabriel, mais il semble que ce ne soit plus le cas. Et au fond, ce que tu viens de faire me pousse à prendre enfin une bonne décision. Sache que j'éprouve de la peine pour toi. Je te dis adieu, Gabriel. Monsieur Bourgeois, vous avez triché, menti et usé de collusion. Vous devez rendre des comptes au peuple et démissionner de votre mandat de maire de Paris. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je n'aurais jamais dû être élu maire. Et une enseignante de votre talent n'aurait jamais dû être renvoyée. Nous allons donc arranger ça. Par les pouvoirs qui me sont conférés, j'annule cette décision injuste et vous rends votre poste. Quoi ? Et maintenant, par les pouvoirs qui me sont conférés, je me renvoie de la mairie de Paris. Oh, quel soulagement! Je vous laisse fermer derrière vous en sortant, hein? Au revoir. Vous aviez raison. On peut parfois gagner la révolution en ne se servant que de ces mots. Je peux avoir ce que je veux. Toi compris, Adrien. À moins que tu ne préfères que je dise la vérité à la boulangère. Pas la peine, je le dirai moi-même à Marinette. Pour ça, il faut que tu la rejoignes, mais remercie-moi, parce que je suis sur le point d'exaucer ton vœu. Le traître va aller au coin! Ridicule, vous serez toujours ridicule! Au coin, vous allez au coin, vous êtes puni. Je serai toujours là pour... Mais il n'y a même pas de coin ici! On marche et on tourne en rond! Ridicule, Chloé a réussi un coup pareil. Je suis Marinette. Toujours là pour vous. Marinette, vous pouvez compter Marinette. Sur moi. Adrien, 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 ridicule, Marinette. Vous serez toujours Adrien. Ridicule. Marinette, je serai toujours là pour vous. Et si on faisait semblant de détruire cet écran, moi. Ridicule, vous serez toujours ridicule. Moi d'un doute, tu n'as pas oublié que je pouvais te donner des super-pouvoirs, n'est-ce pas? Non, mais j'ai besoin d'une diversion pour m'en servir. Ridicule, vous serez toujours ridicule! Je serai toujours la bonne. Blague, transforme-moi! Cataclysme! Ridicule! On a trouvé la sortie! Tiki, transforme-moi! Ridicule, vous serez toujours ridicule. Je serai toujours là pour vous, chers électeurs. Vous pouvez compter sur moi. Tout le monde sera d'accord pour dire qu'en quelques jours, j'ai rendu Paris mieux qu'avant. Totalement mieux qu'avant. Alors, aujourd'hui, s'il y avait des élections municipales, qui se sentirait légitime face à moi? Personne. Cette fois, on intervient, non?
Oui, cette fois on intervient, mais elle nous prendra plus par surprise. Lucky Charm! Une miraculotte? Mon pouvoir ne peut rivaliser avec ta créativité, Malédie. Cataclysme! Donc, tout le monde sera d'accord, inutile d'organiser des élections. Non, on n'est pas d'accord. Vous voyez, j'avais raison depuis le début. Ils n'ont aucun respect pour la démocratie. Ils n'ont aucun respect pour la détromatie. Et ils veulent utiliser leur super pouvoir pour me voler mon pouvoir. Voici le moment de vérité, Tsurugi-san. Le seul pouvoir qui ait de la valeur, Chloé, c'est celui que l'on utilise uniquement pour le bien d'autrui. Et toi, tu n'utilises ton pouvoir que pour toi. Est-ce que vous voulez une élection pour chasser la dictature? Oui. Il est temps d'apprendre à prononcer correctement ce mot, Chloé. Démocratie. Chat noir, le Lucky Charm s'est désintégré. Laisse-moi faire. Mon pouvoir ne marche pas non plus. C'est comme si le pouvoir de protection avait été mélangé à celui d'invulnérabilité pour créer ces prisons. Des pouvoirs de Miraculous. Monarque. Alors, qui c'est qui a tous les pouvoirs maintenant? Eh ben c'est moi. J'ai dit que personne ne pouvait avoir de super pouvoirs parce qu'ils ne sont rien que pour moi. Tenez-vous prête à reprendre le contrôle des robots. Ladybug et Chat Noir vont se détransformer. Je m'occuperai de désakumatiser Chloé, puis les Miraculous seront enfin à nous. Il va falloir que tu m'aides à retrouver mon fils, cher Megakuma. Kalki, ton pouvoir est à moi. Détransformation. Mon fils, si tu refuses de te soumettre à l'autorité de ton cher père, alors prépare-toi à affronter celle de Psychauchemardeur. J'imagine que pour mettre la main sur toi, le plus simple sera de trouver Marinette. Elle avait l'air trop triste. Les amis! Elle est partie. Quoi? Marinette. C'est normal qu'elle soit pas d'humeur à faire la fête. Et Adrien, c'est notre pote aussi. Pourquoi il nous a rien dit? On l'aurait aidé. Son père peut quand même pas contrôler sa vie à ce point. Où est Marinette du Panchang? Et où est mon fils, Adrien? Monsieur Agrest? Non, je suis psychauchemardeur. Et si vous ne voulez pas vivre vos pires cauchemars, vous feriez mieux de répondre à mes questions. Mon fils est avec Marinette, n'est-ce pas? Vous cherchez à les protéger. Votre fils est à Londres, je vous rappelle. Vous l'avez forcé à partir. Et vous devriez avoir honte de tout ce que vous lui faites subir. Besoin de conseils en parentalité? Je n'accepte les conseils de personne. Toi, mon petit chat, tu es comme mon fils. Tu aurais bien besoin d'apprendre davantage à obéir et à respecter les adultes. À ce que je vois, ce n'est pas le fils, mais le père qui a besoin d'une bonne leçon. J'ai réveillé son pire cauchemar. Mais je peux l'en débarrasser si vous répondez à ma question. Où sont Adrien et Marinette? Marinette a quitté la fête. Je ne vous libérerai pas de vos cauchemars avant d'avoir retrouvé mon fils et votre ami. Vous n'avez aucune parole. Quel genre de père êtes-vous? Voyons. Il y a 99% de chances qu'elle soit allée chez Marinette du Panchang. Vas-y, Chat Noir, donne-lui une bonne leçon. Le fils de cet akumatisé et sa copine ont de la chance de vous avoir comme ami. C'est Marinette, laissez un message, bip. La résistance devrait peut-être s'en mêler. Bien dit, camarade Ketchup. Mmh.
voyage. Malady, si tu me cherches, je suis à la boulangerie du Pain Cheng avec un akumatisé. Il est grand temps que tu apprennes à laisser ton fils vivre sa vie, mon cher père.